À l'occasion de cette quatrième séance de conférence aux racines de l'histoire, organisée par la communauté de communes du Pays de Valois, les historiens d'Aquilon vont s'intéresser à deux figures emblématiques de l'histoire du Valois. Tout d'abord, Aliénor, qui est la dernière comtesse du Valois avant que cette seigneurie ne tombe dans l'escarcelle des rois de France. C'est un personnage étonnant qui nous rappellera avec justesse le rôle des femmes dans le Moyen-Âge central. Puis nous nous intéresserons à Saint-Riol, le premier évêque légendaire du diocèse de Senlis, dont dépendait notamment Crépy en Valois au Moyen-Âge. Et ce personnage nous permettra de nous interroger sur la période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge,